sur France Télévisions avec ce magnifique Critérium Continental. Départ imminent, Olivier. Ouais, réservé aux meilleurs 4 ans du moment. Le grand favori, c'est Bold Eagle, en route vers l'Amérique. Il a le numéro 5, il est en rouge, il est caché pour l'instant par la voiture. La voiture qui accélère et c'est Bold Eagle qui a pris le meilleur départ. Ce n'est pas une surprise, c'est un cheval extrêmement véloce, très vite en jambes, qui partage le commandement pour l'instant avec le 4 Booster Winner, avec également le numéro 3 Bardandou. Bird Parker est assez bien parti, ce qui n'est pas le cas du numéro 12 Bellina Josselin, qui a raté sa mise en jambes et qui se retrouve hors course. Et comme vous pouvez s'y attendre, c'est donc le favori Bold Eagle qui a pris l'avantage. Très bon départ aussi du numéro 4 Booster Winner qui se retrouve en deuxième position. Le numéro 3 Bardan Doulbé, un outsider, est bien parti et se retrouve en 3-4ème position. À l'extérieur, on voit la pouliche qui se rapproche, Olivier, c'est Billy de Montfort. Oui, Billy de Montfort qui vient prendre l'avantage, mais nul doute que Bold Eagle maintenant va venir en tête de l'épreuve et qu'il va relayer Billy de Montfort, car cette dernière est meilleure en attendant. C'est un joli coup tactique par le team Garato, puisque Billy de Montfort est en tête, Bold Eagle est en deuxième position. Il y a une faute de Black d'Avril à l'arrière du peloton et puis un autre cheval s'est montré fautif et perd du terrain. C'est le numéro 15 Baltic Charm. Bold Eagle à l'extérieur de Billy de Montfort pour aborder la montée. En troisième position, Bird Parker qui va se retrouver maintenant nez au vent puisque Bold Eagle accélère. Vous le voyez, pour l'instant, on ne va pas très très vite. On est allé très très vite dans la descente, mais là, eh bien, on est en train de faire souffler les chevaux. Et que va faire Johan Le Bourgeois avec Bird Parker? Il se retrouve pour l'instant à l'extérieur du favori Bold Eagle. On ne va pas le laisser passer. Hein. Ouais, donc a priori, il va rester comme ça en épaisseur nez au vent. En tout cas, pour l'instant, nez au vent, le favori contrôle pour l'instant Bold Eagle. Regardez, il va facilement en tête de l'épreuve avec son principal rival, le numéro 6 Bird Parker, qui pour l'instant contraint de progresser à son extérieur. Troisième place le long de la corde pour la pouliche, Billy de Montfort qui vient devant. Encore le numéro 3 Bardan Doulbé qui est là en quatrième position. Le numéro 4 patiente plus loin, c'est Booster Winner. Quant au numéro 7 Specialès, ce cheval aux origines italiennes, il vient avec Roberto Andreghetti, il est là en sixième position. Ouais, la course est bloquée puisque les deux favoris sont à l'avant du peloton, à savoir Bold Eagle, la Casaque Rouge, le numéro 5 et à son extérieur Bird Parker en troisième position côté corde, Billy de Montfort en quatrième position, Bardan Doulbé sur une troisième ligne. Nous avons toujours côté corde le numéro 4 Booster Winner avec également Specialès. Il n'y a pas d'attaque maintenant alors que les concurrents sont à un petit peu plus de 500 mètres de l'arrivée et voici que le dernier tournant se profile avec Bird Parker qui pour l'instant tient tête à Bold Eagle, mais ce dernier est très fort à cet instant. Il va sans doute accélérer. Il semble aller au petit trot néanmoins, ce numéro 5 Bold Eagle, et les deux favoris qui sont en train de se détacher. En revanche, on ne parlera plus de Billy de Montfort, le numéro 9 qui a perdu beaucoup de terrain. Et dans quelques instants, la dernière ligne droite, on va assister à un superbe match avec le numéro 5 Bold Eagle qui a l'avantage le long de la corde à son extérieur. On a le numéro 6 Bird Parker et voilà Specialès, l'italien, qui est lancé à l'extérieur. Il fait une véritable démonstration. Bold Eagle, Bird Parker se défend bien de l'attaque de Specialès. Bardan Doulbé en 4ème position. C'est un véritable crack, un véritable champion que ce Bold Eagle qui va s'imposer très facilement. Specialès qui lutte toujours avec Bird Parker pour la deuxième place. Bold Eagle en grand champion qu'il est sur la route de l'Amérique. Specialès sera deuxième, le numéro 7 devant le 6 Bird Parker, le 14 Bolero Love, à voir ensuite entre l'As Coonlight Host qui a bien terminé et le 4 Booster Winner. Et bien on attendait une démonstration de ce numéro 5 Bold Eagle. Vincent, on n'a pas été déçu. Ah ouais, on a peut-être vu le futur lauréat du prix d'Amérique. En tout cas, le cheval une nouvelle fois s'est baladé la deuxième place tout à la fin pour le numéro 7 Specialès, à voir tout de même avec le numéro 6 Bird Parker qui s'est bien défendu. Quatrième place pour le 14 c'est Bolero Love, et donc comme vous le disiez la cinquième place en retrait pour l'As Coonlight Host. Les favoris n'ont pas déçu et le grandissime favori s'est imposé donc très facilement avec Franck Nivard. Est-ce que vous pensez, Olivier, qu'il va remporter le prix d'Amérique? Oui. On n'avait déjà quasiment aucun doute avant coup. Là, les doutes, le peu de doutes qu'on pouvait avoir sont levés. Regardez la joie de son propriétaire que vous aviez entendu un peu plus tôt dans l'émission, Pierre Laski. Bon, on va tout de suite écouter la réaction avec vous, José. Pierre, c'était beau. C'était la dernière pour nous, la première pour vous. C'était magnifique. Alors on l'a fait pour vous. Je tourne la tête parce que je voudrais voir le chrono. Si pour FR3 on avait pu battre le record général de la piste, ça aurait été sympa. Mais Franck a voulu saluer le public. C'était sympa. Je suis vraiment déçu que vous arrêtiez parce que je vous aimais bien. Hein ? Moi aussi. C'est formidable parce que ce cheval, il a un cœur extraordinaire. Vous savez. Il me fait penser à Dag Vador. Dag Vador, il trotte masqué quand il trotte au petit trot, mais quand il va vite, il a la force en lui. Ah, il est vraiment super. Il est vraiment super. J'ai pas de qualificatif, je vous dis, à chaque fois j'ai un peu honte parce que à chaque fois j'ai une 10-5. Ouais, j'ai un petit peu peur à chaque fois parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui était là. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient là pour venir le voir gagner. Il y a beaucoup de pression et j'aurais été vraiment déçu.
pour moi, pour le cheval, mais aussi pour tous les gens. Le prix d'Amérique, c'est la guerre de l'étoile. C'est pas la guerre des étoiles, c'est la guerre de l'étoile. C'est la guerre de votre cheval. J'espère. Mais comme je disais, on a fini dans la cour du collège. Là, on va passer au lycée, on va aller dans la cour des grands. Je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer les vieux chevaux. Ils connaissent, ils ont l'expérience, mais on va y aller, puis on va y aller pour essayer de gagner. À quoi pensez-vous tout de suite là? À quoi je pense que la soirée va être vraiment, vraiment sympa, parce que maintenant on va se relâcher. J'ai envie d'aller embrasser mon entraîneur préféré, qui était tendu aujourd'hui. Et voilà, bon, c'est super. Écoutez, merci. À bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère peut-être vraiment. Sur une autre chaîne. Allez, à bientôt. Je vous embrasse.